Salut, nouvelle vidéo sur e-racing. On se retrouve pour 30 minutes de course donc en WUF GT3. Donc je suis en Porsche WUF, excusez-moi. Je suis sur Lime Rock Park Full Course. On se met sur la grille. Donc j'ai fait, pour vous dire de bêtises, j'ai dû faire 3 essais sur ce combat-là. Ça s'est pas passé vraiment comme j'aurais souhaité. Donc on va croiser les doigts. Espérons que ça se passe bien cette fois-ci. Parce qu'il y en a qui veulent passer à tout prix, donc on va essayer de faire attention. La dernière vidéo que j'ai faite, je l'ai pas montée, je l'ai pas publiée parce que j'ai pas record, et je voulais faire plus ou moins à la ralentie. Et je vais attendre le départ, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pas fait. Donc la course, je l'ai pas montré, pourquoi? Je l'ai pas record. Et j'ai voulu utiliser le gameplay. En fait, elle était particulière parce que bon, c'était en ref également, mais j'avais un spotter de luxe qui était Adam ou Nash, hein, tout dépend comment vous le connaissez, qui s'est proposé en visionnant un peu mes vidéos sur iRacing de me spotter, donc de m'indiquer un peu où il fallait accélérer. Il a beaucoup plus d'expérience que moi sur iRacing, donc forcément, déjà je le remercie. Parce que ça m'a aidé grandement. Il m'a dit devant s'il était plus rapide que moi, si je devais accélérer, à un moment où je devais passer, s'il fallait que je passe ou non. Parce que je suis un peu trop impatient des fois. Donc encore merci Adam, ça m'a vraiment aidé à comprendre certaines choses. Il me disait à certains endroits qu'il fallait passer, d'autres non. Alors bien évidemment on n'aborde pas une course d'une heure comme on aborde une course de 20 minutes, mais en principe si on veut marquer maximum de points et monter en rating, il faut être patient et quitte à perdre des places, c'est pas grave. Jusque là ça va, pas trop de problèmes. Je suis sixième. Thank you.
sont là devant, j'ai l'impression d'être un petit peu plus rapide, donc on va continuer comme ça. Soit il fera des erreurs au niveau de son pilotage par rapport à la pression que je vais lui mettre. Ce qu'il faut aussi, c'est pas trop attaquer hein, parce que les pneus sont vite cramés. Donc, comme là un peu. Petite dérive, c'est pas bien grave, mais bon. Je tire pas trop dans les rapports justement pour éviter d'avoir trop de motricité et qu'elle parte un peu en cacahuète parce qu'elle est nerveuse. Là, il protège sa place. Alors devant le quatrième est à 5 secondes, on va voir si on stabilise ou pas. Ah, il vient en dérive là. Ouais, petit accident devant. Le cinquième. Ouais, c'est le quatrième devant. Plus rapide que moi.
l'impression qu'il s'est fait deux ou trois frayeurs, donc il se méfie. Sur e-racing et de par le peu d'expérience que j'ai, dites-moi ce que vous en pensez, que vous soyez pro ou pas e-racing, peu importe. Au niveau des accidents que l'on peut avoir, la course précédente, je me suis pris un accident, j'étais pas en cause, mais peu importe la raison. En fait, la voiture était légèrement endommagée et on m'a obligé de pitter. J'ai pas suivi la consigne, on m'avait dit attention, stupide pas, disqualifié, enfin bref. J'en étais pas sûr, donc du coup j'ai pas pité. Et oui, j'ai été disqualifié. Alors, je trouve ça très très con, dans le sens où oui, je perdais du temps. Oui, je roulais moins vite, mais j'avais quand même le contrôle de la voiture. C'est-à-dire que j'étais pas dangereux, j'avais pas complètement le volant à l'équerre. Donc je trouve ça un petit peu con comme règle. Alors peut-être que les pilotes sur e-racing ont également le même ressenti que moi, hein, qui trouvent ça dommage. Et ouais, j'ai été disqualifié, hein. Tu dois avoir un ou deux tours pour pitter avant d'avoir la sanction. Le devant il s'éloigne, il disparaît, il y a 2 secondes déjà. Pris un peu large. En fait, je veux le rattraper, mais je suis moins rapide. C'est pas la peine de cut, de se mettre en danger. Faut rouler à son rythme. Il peut toujours se passer les choses. Thank you.
Autant dire devancer à 10 secondes, on va peut-être pas aller le chercher. Ces deux derniers virages-là, il est plus rapide que moi. Oh, il s'est raté. Fait quatrième avec un petit peu de marge derrière, donc ça va. Toujours 10 secondes devant pour le troisième, notre podium est assez loin. Et bon, vous savez, une course n'est jamais terminée, donc... À l'heure où je fais la course, il doit rester à peu près 3 semaines d'abonnement. Tout dépendra différents les prochains circuits qui seront amenés à cette catégorie. Alors si je les aime pas. Alors, on est avec les peu à mi-course, commence à mi-course. Ah non, il reste déjà plus que 10 minutes. On commence à faire la gueule. On va se méfier tout doucement.
Ah ouais, rentrer en piste, elle est bien grand. Oula, il fait quoi? Alors moi, tu rentres directement ce temps. Pas mal. Allez, troisième. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, deuxième, tu as 13 secondes. Et derrière, il a 4 secondes, donc on va se méfier quand même. Regardez le rythme, pas trop baissé. Plus sur le podium, pour l'instant tout va bien. Merci. Désolé, j'ai toujours pas affecté mes touches.
la quatrième à 5 secondes. Ouf, c'est peu. On va alléger le rythme parce que là, c'est bien chaud. Derrière il est plus rapide mais il sort descendre. À mon avis il a peut-être changé les pneus. Pas sur la même course. Allez, il va nous rester 2 minutes 30. Attention Seb, le avertissement. J'ai besoin de votre tour pour le HUD que j'ai mis en bas à droite, savoir si c'est utile, si c'est lisible pour vous, si ça apporte pas grand chose, si ça gêne pas trop la visibilité. Alors que je vous parle, j'ai encore dû le rattraper. Il doit rester deux tours, je pense. Oh, derrière, ça sort sévèrement. Allez, on va assurer. De toute façon, devant c'est à 13 et 19 secondes, et derrière c'est à 6 secondes. Donc, on va prendre de risques.
Ah, elle est terminée. P3, pas trop d'erreurs. Je me rappelle bien. Pas fait de... J'ai fait une sortie. Qui m'a coûté un foin, mais. Pas trop mal. On va attendre deux secondes pour voir ce que ça donne au niveau du rating. Alors, je termine troisième. J'ai un plus 59 et un plus 0,15. On va dire que c'est une bonne course entre un peu les heures que j'ai eues sur les deux dernières. Voilà. Donc, quand c'est grave, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de bagarres, mais c'était propre de ce que j'ai eu. Espérons que ça continue. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. À une prochaine. Salut.